en Pro D2. Si je fais un petit point hier par rapport aux 12 saisons passées en Pro D2, Carcaf est toujours, régulièrement, toujours, dans la majorité des cas, une seconde de phase meilleure que la première. C'est une question gentille. Pourquoi est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que sur l'année précédente, oui, puisque j'étais là, donc j'ai quelques explications. Sur le reste, je ne peux pas trop en juger. Sur la saison dernière, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le staff, puisqu'on était 2 sur 4 à être nouveau avec Aurélien. Ce qui veut dire que c'était un meilleur staff? Non, pas du tout. Et ensuite, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc des choses nouvelles, et ça a pris un peu de temps, plus que ce qu'on aurait espéré, mais en tout cas, la deuxième partie a été plutôt efficace. Et on connaît la fin qui a été très positive, donc ça, je peux en juger. C'est vrai que ça a pris du temps. C'est vrai un peu aussi cette année. Et j'espère que la réflexion sera juste aussi et qu'on aura une fin de saison meilleure que cette première phase. Ce qui est important, c'est de vite reprendre le goût de la victoire et de remettre le club et tout l'entourage dans une dynamique positive. Ça, c'est important. Voilà, donc on a la chance. Moi, je pense que même s'il y a de la pression des fois de recevoir, je trouve que c'est aussi une chance d'être chez nous, avec notre public, avec notre environnement qu'on connaît, mais qu'on maîtrise, pour bien lancer la deuxième phase. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait une bonne semaine d'entraînement, et aujourd'hui, les voyants sont ouverts. Donc voilà, maintenant, on sait que le match sera très dur, parce que les matchs de reprise sont toujours difficiles. Jean-Marc, cette première journée de Pro D2, avec le calendrier qu'elle propose, peut te permettre, en cas de victoire, de te rapprocher du ventre mou. Est-ce que c'est quelque chose que l'on regarde, les oppositions? Bon, c'est vrai qu'on passe d'abord à soi, avant de regarder les autres, mais est-ce qu'on quand même on y jette un coup d'œil? Je ne dis pas les deux yeux, mais un. Non, bien sûr. Bien sûr qu'on le regarde, là en plus il y a un bloc de 2, donc ça va aller vite. Donc bien sûr qu'on regarde ce qui se passe derrière, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et on regarde aussi ce qui passe devant en cas de victoire. Donc on est conscient que le match de Colomiers, au-delà du fait de le match de reprise qui est toujours difficile, s'il est bien abordé et que derrière il y a 4 points, ou voire plus, on va commencer un peu à respirer, et on va toujours pareil faire un deuxième match avec d'autres intentions, ou en tout cas avec un état d'esprit différent. Les statistiques hyper brillantes à Carcan. Je regardais, alors tu es à 93% de réussite au pied, alors si je ne me plante pas, il y a 23 pénalités, 3 transformations cette année, et l'an dernier 15 pénalités, 24 transformations, 2 essais. Tu as manqué une pénalité à Rouen l'an dernier, une pénalité à Rouen cette année, et 2 pénalités contre Provence. Ouais. Comment t'expliques cette réussite là? C'est quelque chose qui te suit? T'es toujours aussi brillant au pied? Pour moi, c'est confiance. Pour tous les buteurs, c'est confiance. Beaucoup de buteurs ont la qualité, mais pour moi, c'est dans la tête. Et si, avec le staff et le joueur, ils donnent moi la confiance, et quand je rentre le terrain, je suis très confiant. Oui, je boute bien. Mais t'as eu autant de réussite dans les autres clubs, à Nice, à Soyaux, t'as eu 93-95%? Quand j'arrive à Soyaux, j'ai bout très bien. Mm-hmm. Après, j'ai une dip, c'est ça? Une dip? Un trou. Mais pour moi, beaucoup le buteur a le même. Mm-hmm. Tape bien pour 1 an, 2 ans. Après, c'est un petit tour. Et maintenant, je suis haut. Je boute bien. Pourtant, ici, c'est compliqué avec le vent. Ouais. Et tu t'adaptes très bien, quoi. Ouais, quand j'arrive... Quand il y a une pénalité, on marque déjà les points, quoi, nous. Ah, ouais, c'est pas comme ça. On regarde même pas, on marque. Ouais, c'est pas sûr, mais... Ouais, c'est difficile avec le vent, mais c'est le même pour tous les buteurs. Peut-être j'ai l'avantage parce que j'ai fait l'entraînement ici. Ouais, voilà. Ça se passe bien? Ouais. Colomiers, tu le vois comment, ce match? Match difficile, hein? Ouais, bien sûr, comme tout le match à Pro D2, c'est difficile. C'est ça. Mais Colomiers, c'est une bonne équipe, bon staff. Stratégiquement, ils sont bons, tactiques et tout. Et le joueur a bonne qualité aussi. Donc,
c'est un très très important match pour nous, c'est un important match pour eux aussi, mais nous sommes prêts pour la bataille. Et au niveau de la pression, tu as plus de pression à la maison ou à l'extérieur, toi en tant que buteur ou en tant que joueur? Pareil. Non, c'est un peu pareil. Tu es dans ta bulle et... Ouais. Tu es concentré. C'est un match, c'est un match. C'est le pressure, c'est moi. C'est moi qui décide le pressure ou pas. Donc, c'est pareil. Tu as de la pression là? Oui. Pression, justement. Quand tu bottes, que le public ne respecte pas le buteur, comme on dit poliment, est-ce que tu restes dans ta bulle ou est-ce que ça te déconcentre un peu? Ah, j'aime ça un peu. Parce que c'est donnez-moi un peu plus de motivation pour dans le milieu donc, de poteau. C'est un bien alors. Ouais, c'est important de mentalité. Depuis que tu es à Carcassonne, tu as eu 10 succès sur 16 matchs. Avec Carcassonne, 10 victoires et 6 défaites. Hein. Est-ce qu'il y a, d'après toi, une équipe carcassonnaise avec Dorian Jones et une équipe sans Dorian Jones? Bah, c'est... T'as les mollets qui enflent. Moi, c'est Carcassonne, c'est avec ou sans Dorian Jones. Si je ne suis pas dans le terrain, j'ai fait tout pour aider les mecs pour préparer pour le match. Mais quand t'es sur le terrain, c'est mieux quand même. Ouais, c'est les statistiques disent ça, mais peut-être je joue le plus facile match ou quelque chose comme ça, mais ouais, le stade c'est bien. Quand je joue, j'ai fait tout pour aider l'équipe. Mais cette saison, c'est toi très bon 10, le 4e, si toi Damien Arnold, Christophe Isenbeck et Baptiste Mouchous. Et Christophe et Baptiste, ils attendent pour la chance et c'est ça mon motivation. Parce qu'il fait le bon entraînement chaque jour. Et j'ai fait tout sur le terrain chaque vendredi soir pour garder mon place. Donc, c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe, c'est le joueur dans le même poste que moi, et aider mon performance et aider la performance de l'équipe. À titre de comparaison, Jean-Marc Roy, 0 match, 0 victoire. Est-ce qu'avant un match. C'est vrai, régulier. Est-ce qu'avant un match, tu te dis c'est moi qui vais prendre toutes les pénalités, ou est-ce qu'au cours du match, tu peux jouer avec l'autre buteur présent sur le terrain? Je pense que je comprends. Est-ce que tu es le buteur numéro 1 quand tu es sur le terrain, tu es buteur numéro 1 ou tu peux dire à quelqu'un d'autre de taper ou pouvez vous partager? Quand je joue, je vais boot. Je parle bien anglais. Clément. Pour moi, quand je joue, je préfère le chef. Ah d'accord. Pour mon confiance. Et pour tout, quand j'ai boot, quand j'annonce le lancement, quand je suis le chef, je sens plus confiant. Et ouais, voilà, c'est aider mon performance, je pense. À Rouen, tu prends la pénalité alors que tu t'es blessé juste avant. À Rouen, la pénalité que tu manques, tu te fais prendre dans le dos, tu prends la pénalité, tu la manques. Est-ce qu'il aurait mieux. Je sais pas, ce que tu dis quand je suis sur le terrain, je suis le chef. Est-ce que par exemple, c'est parce que tu venais être secoué un petit peu ou blessé que tu as échoué, tu n'aurais pas dû peut-être la laisser, je sais pas. À Rouen, c'est mon faute, je reste seul pour prendre le penalty. Et je reste dans cette action. Je dois changer mon mentalité pour la prochaine action. Si tu comprends. Mm-hmm. C'est pour ça que je manque à Rouen. C'est une facile face à poteau, mais j'ai pensé à la dernière action. D'accord. Ça, c'est mon faute. Je dois changer. Problème de concentration. Ouais, c'est pas switché. Ouais, si j'ai une blessure ou je suis très fatigué. Ouais, j'ai donné. Si j'ai le sentiment, Baptiste Mouchous, il tape plus long que moi, j'ai donné à Mouche. Mm. Mais si je suis confiant, je prends. Mais j'ai la confiance dans mon équipe aussi. Tu vois, Sam Marquez et Baptiste, ouais. Le terrain, très très bonne bouteuse. Et après les fêtes, avec les fêtes entre les deux, c'est plus compliqué comme reprise. La coupure de 15 jours sans entraînement ou un entraînement individuel, c'est pas compliqué de revenir et de recevoir, de démarrer à la maison? Non, c'est toi, c'est le joueur, ils sont professionnels. Il fait l'entraînement à la maison, il a le programme et il arrive lundi avant le match prêt pour jouer. Même question à toi, Jean-Marc. Comment tu as trouvé ces joueurs après 15 jours de trêve? Plutôt bien physiquement. Il n'y a pas eu de gros écarts de forme entre les uns et les autres.
Je pense que la quinzaine a fait du bien à tout le monde, après surtout la petite fessée qu'on a pris à Mont-de-Marsan. Et c'est bien aussi qu'on recharge un petit peu les batteries, qu'ils profitent un petit peu de leur famille. Maintenant, on a donné beaucoup de congés, de jours de repos aux joueurs. On attend bien sûr en retour une belle performance contre Colomiers. Mais c'est donnant-donnant, c'est aussi notre fonctionnement, le système carcassonné, et qui aujourd'hui, quelquefois on dit atypique, mais qui est aussi quelquefois une source de réussite. Voilà, donc aujourd'hui les joueurs sont conscients qu'ils ont eu des jours de vacances importants. Ils sont revenus tous lundi et avec la forme et un bon état d'esprit. Petit mot sur Guilhem Vettor, capitaine des Espoirs, qui fait de bons matchs en Espoir, même si le niveau c'est la poule accession. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Qu'est-ce que tu peux dire ? C'est sa chance, hein ? Bah bien sûr que ça va être une belle chance, une belle opportunité pour lui. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est souvent les blessures des uns qui fait le bonheur des autres. Guillaume, l'avantage qu'il a, c'est qu'il s'entraîne au quotidien avec nous, déjà. Donc, c'est pas nouveau. Il rentre pas comme ça du jour au lendemain sans ni connaître les lancements ni l'effectif. Il a fait quelques apparitions. Il a déjà fait, j'allais dire, il a fait quand même déjà de sorties avec nous. Il est donc au quotidien, donc il connaît le système de jeu. Il a des qualités notamment de déplacement, de défenseur, de gratteur. Donc il a aussi la fougue de ses 20 ans et de sa jeunesse. Donc ça fait quand même beaucoup de qualités, sachant qu'il n'arrive pas comme ça, juste comme cheveux sur la soupe ou un petit peu dans l'inconnu. Voilà. Après, on sera tous les rangs aussi avec lui, dans le sens où... Il y a toujours un petit peu de pression sur les premiers matchs, une première titularisation contre une équipe de Colomiers qui est difficile à manœuvrer. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses normales du rugby. Il est là, on lui donne sa chance. Donc voilà, il a les cartes blanches et puis on aura quand même un petit peu de tolérance par rapport à lui. C'est bon.